savoir imiter, il faut apprendre à imiter. Et si tu sais pas imiter, eh ben apprends à imiter. Hey, salut le jeune. Dis donc, ça fait un bail. Oui, ça fait véritablement un bail, ouais. Ouais. Dis-moi le jeune, tu touches toujours le RSA ? Oui. On change pas une équipe qui gagne pas, comme dirait le proverbe. Cette semaine, pour le grand retour des Apprends à imiter, Ganesh 2 va t'apprendre à imiter celui qui est le plus haut sur l'échelle sociale. Richard Prasquier. Mais non, voyons, François Hollande. Pour faire François Hollande, il faut avoir une certaine estime de soi-même, tout en sachant qu'on n'est qu'un homme comme les autres. Ça veut rien dire. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah fais-nous un regard de mec triste. Imagine que ta cote de popularité a vachement baissé depuis un an. T'as une belle tête de névrosé. Maintenant, pour faire la voix de François Hollande, c'est très simple. Il te suffit de répondre à cette question. Quel est le nom de famille de Sangoku ? Si. Voilà. C'est avec ce son d'hésitation que tu reproduiras la voix de François Hollande. Tu as bien compris ? Alors vas-y, fais-nous une allocution présidentielle. Mes chers compatriotes, je suis le président depuis déjà une année consécutive et les mesures lancées par notre gouvernement, comme le mariage pour tous ou le divorce pour tous, sont des mesures sociétales qui aideront. Voilà, tu sais enfin imiter François Hollande. Désormais, tu pourras appeler Najat Vallaud-Belkacem et tu pourras la pécho comme un porc. Par contre, il n'y aura plus que 27% de tes amis qui t'aimeront encore. Elle est pas belle la vie ? La semaine prochaine, Ganesh 2 t'apprendra à imiter Valérie Trierweiler pour écrire des bonnes punchlines sur Twitter. A bientôt ! Estimira o vaso.